Bastia Toulon est pour commencer le bonjour de Pascal Holmet, a toujours aussi sûr dans ses prises de balles aériennes. Les Toulonnais vont très vite porter la réplique dans le camp bastiais avec Benedet, relayé par Ronis en direction de Tlemcani. Mlinarjic sort le plus bel arrêt du match. Le ballon circule très vite d'un camp à l'autre et sur ce centre de Martialis à la 13e minute, Casoni, Fauche, Solsona. Il y avait bien pénalty, Meyer le transforme en usant d'un petit interdit. Il tire en deux temps et Olmeta n'est pas content. 28e minute, les Bleus perdent un ballon en défense. Onis va en bénéficier. Il résiste à la charge de Marchioni et égalise. Vieille habitude. Aimon essaie bien d'aggraver le score, mais Mlinarjic veille au grain. Et à une minute de la mi-temps, alors que Boissier perd son temps à agresser verbalement l'arbitre de touche, Zimaco file le long de la ligne, se débarrasse de Béringuier et sert sur un plateau Martialis pour le deuxième but bastien. Seconde mi-temps, un coup de chapeau en passant aux deux hommes du match hier soir, Moisan et Zimaco. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient face à Toulon. La preuve, à la 61e minute, Zimaco met dans le vent Ricor et Dib avant de servir Solsona. Olmeta est battu, mais c'est Martialis, encore lui, qui porte le score à 3-1. 5 minutes plus tard, tout de même, Toulon, qui ne baisse pas les bras, réduit le score sur ce coup franc d'Aimon. Onis, encore lui, trompe Mlinarjic. La fin de ce match reste très plaisante à suivre. Sur ce travail de Ferrigno, Martialis rate de peu le 4e but bastiais. Et un peu de billard pour terminer. En deuxième division.